Cher Hervé, tu es le 522e sociétaire de la Comédie Française. Tu y es entré le 1er février 2007 et 4 ans plus tard, le 11 janvier 2011, tu étais nommé sociétaire. Ta formation s'était faite à l'école du Théâtre National de Strasbourg et avant d'entrer à la Comédie Française, tu avais déjà une longue et belle carrière derrière toi. Tu avais joué sous la direction de Jean-Pierre Vincent, de Jean-Louis Hourdin, de Dominique Pitoiset, de Pierre Meunier, de François Béreur, de Didier Besast, de Dan Gemette, de Roger Planchon. Ouais. Tu as interprété de nombreux grands rôles à la Comédie Française, parmi lesquels, et cela revient souvent dans les questions qui ont été posées, Bergunt, Galilée, mais on se souvient aussi de ton Bois d'Anguin dans Le fil à la patte mis en scène par Jérôme Deschamps, mais aussi ton rôle du magicien dans La Grande Magie, tes rôles dans La Mère d'Edouard Bond, dans la trilogie de la villégiature et dans La Locandiera de Goldoni. Tu as aussi joué au cinéma et juste avant que la France soit confinée, on avait pu te voir dans une pièce de Christine Montalbetti, La conférence des objets. Alors, il y a eu beaucoup de questions qui t'ont été adressées, en partie sur ton arrivée à la Comédie Française. La première question vient de Florian, qui te demande en quoi votre parcours avant d'entrer à la Comédie Française vous a aidé lorsque vous êtes arrivé à la Comédie Française. Je ne sais pas à quel point ça m'a aidé, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que je pense que quand on rentre à la Comédie Française à 20 ans et qu'on y rentre à 50 ans, évidemment qu'on n'a pas la même relation au théâtre, à sa fabrication, la même relation au social, à la reconnaissance. On n'a pas peut-être, on a peut-être perdu une forme à 50 ans de légèreté et d'insouciance, mais on a gagné sans doute une plus grande maturité. Et donc, on a su aussi apprendre pendant. Moi, je sais que c'était. Voilà, j'avais appris pendant 30 ans aussi. En rencontrant de grands acteurs et de grandes actrices, j'avais aussi appris ce qu'était mon métier. C'est que je ne l'ai pas appris à la Comédie Française, mais je l'ai appris sur les scènes de France, de province et de Paris, au contact de grandes actrices et de grands acteurs. Donc, je suis arrivé avec un désir très fort, c'est-à-dire que justement c'était quelque chose qui venait à point nommé cette proposition. Elle m'avait déjà été faite par Marcel Bozonnet et ça n'était pas le bon moment, voilà. Et quelques années plus tard. Cette relation au projet qui était proposé, c'est-à-dire Claudel, que je n'avais jamais joué. Yves Bonnen, travailler avec Yves Bonnen, on avait fait un Oncle Vania au Théâtre de la Colline, je m'étais très bien entendu, on s'était très bien entendu en fait, sur ce travail, et donc j'étais content de le retrouver. Et puis la distribution, travailler avec Marina, c'était un rêve. Enfin voilà, je me disais, il y a des rencontres qui sont belles, qui sont fortes. Avec Marina, avec Eric. Eric est un acteur qui m'a toujours impressionné. Et puis Christian. Que j'avais rencontré quelques années auparavant autour d'un projet
avec Philippe Lanton, et donc on se connaissait, on s'était rencontrés, quoi. C'était un projet, je me souviens, sur la mort de Danton, et lui faisait Robespierre et je faisais Danton, comme c'est, voilà. On ne s'est pas allé au bout, ce projet, mais on se connaissait. Donc cette réunion, là, tout à coup, était forte, était belle, était évidente, et puis il y avait ce désir de poursuivre finalement ce qui a été tout au long de ma vie une fascination, c'est cette pratique collective de la scène à travers la vie d'une troupe. Ça c'est rentrer à la Comédie Française, c'est justement rentrer dans la troupe la plus ancienne et riche de talents qui sont extraordinaires. Voilà, un peu. D'accord. L'évocation de partage de midi m'amène directement à la question de Félix, qui rappelle qu'un de tes premiers rôles à la Comédie Française était donc Amalric dans Partage de midi. Si les théâtres n'avaient pas dû fermer, vous auriez dû interpréter ce rôle à nouveau aujourd'hui, oui, dans la même distribution qu'à l'époque, au Théâtre Marigny. Oui. Qu'est-ce que cela vous fait de jouer un rôle qui a marqué votre entrée à la Comédie Française plus de 10 ans après? Pas réussir à le faire. Cette reprise, ça va être difficile, je crois, dans les conditions actuelles. C'est donc un crève-cœur, enfin, pour moi. Je me réjouissais de retrouver, en fait, la configuration dont je parlais au niveau humain, et de retrouver la puissance du verbe claudélien. J'étais ravi de de ces retrouvailles. Si ça avait eu lieu, justement, je viens de vivre une expérience en dehors de la Comédie Française avec Pierre Meunier, où on a repris un spectacle qu'on avait créé il y a 23 ans, L'homme de plein vent, et on devait jouer à Montreuil. Le confinement a eu raison, là aussi, du spectacle. On va sans doute pouvoir le reprendre dans un an. Mais on s'est retrouvé, je me suis retrouvé 23 ans plus tard à assumer le même spectacle. Et effectivement, ça questionne non pas sur la qualité du spectacle, parce que ça, pour le coup, on découvre à quel point ce qu'on a pu fabriquer 20 ans auparavant est toujours aussi présent dans ses implications. Et donc ça, c'est très fort et très beau. Mais après, ça interroge sur le corps, sur ce qu'on est capable de faire, d'entreprendre. On sent que le temps passe, que le temps est passé. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas et que la chose n'existera pas. Je pense qu'Amalric peut être plus âgé que ce que... Voilà, c'est pas un problème, c'est pas un souci. C'est simplement l'endroit d'où on l'a inventé et l'endroit où on le reprend. C'est comme si, en fait, simplement le corps n'avait plus tout à fait les mêmes moyens à sa disposition. Donc c'est très émouvant. En fait, je trouve ça très émouvant. Avec L'homme de plein vent, il y a quelque chose de presque de pathétique, d'émouvant, de voir deux hommes qui, quand ils avaient 40 ans, ce rapport à l'utopie était une chose qui était volontaire, forte, engagée. Mais 23 ans plus tard, les mêmes qui sont dans le même rapport à l'utopie, mais qui ont des corps plus âgés, affaiblis, fatigués, en fait, la poésie résonne, se met à résonner autrement. Et c'est très émouvant. Le temps qui passe, et c'est très émouvant. Alors, cette remarque m'amène à un groupe de questions. Oui.
une question, je vais les nommer les unes à la suite des autres. C'est Elsa Gaillon qui te demande comment vous préparez-vous à des rôles souvent très physiques. Et Anastase, lui aussi, dit vos rôles demandent beaucoup d'énergie. Y a-t-il des soirs où vous vous êtes dit que vous n'arriverez pas à monter sur scène? Et comment faites-vous dans ces cas-là? Je dois avouer quelque chose, c'est que je ne me suis jamais préparé. Je ne me suis jamais préparé physiquement à un rôle, mais c'est sans doute lié aussi à une tradition peut-être très française. En fait, je pense que les acteurs anglais ont une plus grande conscience de leur outil et un beaucoup plus grand respect, par exemple, de leur outil. Ils le travaillent, ils le préparent, ils apprennent à chanter, ils sont physiques. Ils ont donc l'exigence des danseurs, des chanteurs. Moi, je me rends compte qu'en fait, il y a beaucoup plus de dilettantisme dans la manière dont j'aborde les rôles, et sans doute que c'est une tradition peut-être un peu plus française. Les choses bougent sans doute, hein, les nouvelles générations sont sans doute beaucoup plus engagées dans la technique aussi de préparation de l'acteur. Chaque rôle, c'est à chaque fois en fait une nouvelle aventure théâtre. C'est une nouvelle aventure en fait humaine et artistique. Ces aventures théâtrales. On découvre un poète. Quelquefois on le connaît, mais souvent on le connaît pas, on l'a pas abordé. On est à la rencontre d'une nouvelle équipe avec des partenaires qu'on connaît pas obligatoirement. Bon, aux Français c'est moins le cas. C'est vrai que ça peut arriver qu'on puisse vivre 20 ans dans cette maison et ne pas avoir travaillé avec certaines comédiennes ou certains comédiens, c'est tout à fait possible. Mais disons qu'on se connaît. Mais en fait, à chaque fois, il y a quelque chose qui se met en route et qui va en fait définir ses propres règles. Je ne vais pas me comporter tout à fait de la même manière suivant les aventures poétique, artistique, avec les metteurs en scène qui sont à l'origine du projet, avec les partenaires. Il y en a avec qui je vais être dans une préparation physique, vocale, et puis d'autres non. Les choses arrivent. Voilà. Les choses, en fait, m'arrivent. Et c'est ça en même temps que je trouve absolument délicieux dans ce métier, c'est que des choses m'arrivent. Et ça, je suis tellement... je ne regrette tellement pas en fait, de m'être engagé dans ce métier, d'avoir choisi cet art de la scène, parce que en fait, des choses m'arrivent. Et ça, c'est une pure merveille. Un délice quotidien, je découvre des poètes, je vis de nouvelles aventures humaines, c'est une chance extraordinaire, extraordinaire. Donc je me laisse faire, je me laisse pétrir, je me laisse avoir par la nouvelle aventure, et c'est vrai que je ne m'y prépare pas. Alors bien évidemment qu'il faut apprendre le texte, mais les choses ont changé. Et quand j'ai commencé à faire l'acteur, au fond, apprendre le texte n'était pas une nécessité. On rêvait, on tournait autour, on lisait des choses autour de ce poète ou de ce projet. Et puis, on arrivait avec le texte à la main. Et en fait, les répétitions au départ étaient... il y avait d'abord un travail à la table... je me souviens de travail à la table absolument passionnant, excitant, formidable. En particulier, par exemple, je ne sais pas, avec Bernard Sobel. C'était des séances de dramaturgie absolument passionnantes, extraordinaires, lumineuses.
une sorte de fête de l'intelligence. C'était délicieux. Mais après, on montait sur le plateau avec le texte à la main. Et pendant un temps, finalement, le texte était entre nous, entre moi et le metteur en scène. Et donc, on réfléchissait ensemble sur la nature de ce texte. On découvrait les scènes, on se posait des questions sur pourquoi les choses étaient dites de cette manière-là, à qui elles s'adressaient, comment elles pouvaient s'adresser aux partenaires, dans quelles configurations, etc. On interrogeait en fait la matière même de l'écriture. Et donc le lendemain matin, très naturellement, la scène était apprise très facilement puisque je savais les tenants et les aboutissants. Je savais à qui m'adresser, dans quelle situation, etc. Donc je n'avais pas prémédité quelque chose, mais les choses m'étaient arrivées. Et c'est vrai que maintenant on demande beaucoup, c'est quasiment maintenant la règle absolue, que les textes soient sus au début des répétitions. Et en fait, ce qui est compliqué, je comprends bien pourquoi, bien évidemment, hein, je comprends bien pourquoi c'est beaucoup plus efficace pour un metteur en scène d'avoir en face de lui des actrices et des acteurs qui vont pouvoir répondre immédiatement à des propositions. C'est un gain de temps, c'est un gain de facilité de fabrication. C'est aussi sans doute parce que les metteurs en scène ont pris une place beaucoup plus importante dans l'histoire de nos métiers. Je relisais l'autre jour une histoire de la comédie française et je me rendais compte à quel point, en fait, cette troupe est d'abord agie, mue par des écrivains. C'est parce que Molière est écrivain, bien évidemment aussi acteur, mais qu'il est auteur, qui a Racine, qui a Corneille, qui a Beaumarchais, c'est-à-dire que ce sont les auteurs qui viennent rencontrer le comité de lecture. Les textes sont lus par les auteurs eux-mêmes, et c'est une relation qui est directe entre les acteurs et l'écrivain, l'auteur, le poète. Et dans le début du XXe siècle, il y a effectivement l'arrivée et l'invention de cette fonction nécessaire, hein, importante, du metteur en scène. Mais il y a eu une forme de spécialisation de cette fonction qui, en fait, prend le pas dans la fabrication sur les autres fonctions. Et donc, évidemment que pour un metteur en scène qui devient un auteur, ça devient un auteur, il a besoin, en fait, d'avoir les matériaux à disposition. Et donc, ça n'est pas un moment où on réfléchit sur une écriture, une pièce, mais c'est un moment où on écrit, on pratique de l'écriture scénique. Et revivre, par exemple, avec Lars Norén, ouais, un moment, justement, où l'écriture redevient, en fait, le sujet même de la fabrication du spectacle, c'est-à-dire réfléchir avec un poète sur la nature même de son écriture, et le voir écrire, justement, sur le plateau, comme un poète, alors ça réactive l'idée que le théâtre, c'est aussi des chantiers poétiques et que c'est dans le rassemblement, en fait, d'une équipe artistique dans un chantier poétique que moi, je trouve plus mon compte que dans la fabrication, finalement, de spectacles qui sont écrits par quelqu'un quasi en préalable. Un metteur en scène, maintenant, peut arriver et avoir une idée extrêmement claire de ce que sera le spectacle. Presque un peu comme si il avait fabriqué un storyboard, comme au cinéma. Donc, la succession des tableaux, de la fabrication des images, était déjà établie.
Et que donc, le texte, finalement, il est en arrière de ce processus. Et tout ça pour dire que... tout ça pour dire que apprendre un texte, en fait, devient maintenant quelque chose qui me pèse, alors que ça ne me pesait pas avant. Avant. Ouais. Alors, lorsque tu évoquais Lars Norén, tu répondais, ça c'est merveilleux, parce que tu anticipes les questions des gens, et tu répondais à la question de Monique de Boulogne, qui souhaitait que tu... Mais Monique à Boulogne. Alors, Monique de Boulogne, qui demandait de parler de ton travail avec Lars Norén, mais qui, peut-être peux-tu répondre rapidement à la deuxième partie de sa question, qui est, a-t-il été difficile de jouer la vieillesse et la déchéance ? Non, ce qui a été... Non, c'est pas... Non, c'était pas difficile. C'est pas difficile de jouer la vieillesse et la déchéance dès l'instant où on considère c'est ecce homo. Mm-hmm. Voilà. Mon travail, c'est de rendre compte de l'humain. De l'humain dans toute sa diversité. Je peux jouer un enfant ou un vieillard. Je peux jouer la force de l'esprit et sa dégénérescence. Je me prête à cette interrogation du vivant. Donc ça n'est pas... Non, c'est un chantier comme un autre, là aussi, celui de la vieillesse. Non, ce qui a été difficile pour moi, je vais dire une chose que je devrais garder secrète, mais c'est que ma maman est morte au début du spectacle. C'est-à-dire que je n'ai pas pu aller à son enterrement parce que ma maman est morte juste au début de ce spectacle. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose qui est très, très violent. Parce que le spectacle ne parlait que de ça, au fond, le rapport à la finitude, à la fin. Au début du spectacle, il y avait des petites photos sur des piliers, enfin des sortes de cimetières comme ça, de mémoires de gens disparus. Et ça s'écroulait au tout début. Et donc, il y avait le visage de ma grand-mère, la mère de ma mère. Et donc, tous les soirs, en fait, je me suis retrouvé à assumer, finalement, cette parole de Lars Norén comme un rapport très intime avec mon histoire personnelle et ce que représente la fin, la finitude. Donc ça n'est pas la représentation même de la vieillesse ou de la déchéance, mais plutôt l'inscription au fond de soi dans l'idée de la fin, de la finitude. Oui. Là, de ses proches, quoi, voilà. Oui. Ce que tu dis là m'amène à une question qui a été posée par Macha. Mais elle parlait de ton rôle de Galilée. Elle dit, Galilée, chez Brecht, c'est un scientifique, un personnage historique, mais aussi une figure de la transmission. Mm-hmm. Transmission du savoir, de l'humanité, de la détermination. Est-ce qu'avec votre métier de comédien, la notion de transmission vous interroge, vous préoccupe ? Est-ce que ce rôle vous en a appris plus que d'autres à ce sujet ? Galilée, je dirais, ce qui m'a beaucoup intéressé chez Galilée, c'est aussi surtout sa curiosité, en fait. Mm-hmm. Je trouve qu'un scientifique
c'est un esprit profondément curieux. Et que cette énergie, l'énergie de la curiosité, l'appétit de la curiosité, le regard sur le monde qui nous entoure, est proche de l'enfance aussi, je pense. Et ça, par rapport à la transmission, au fond, je ne sais pas. Je ne sais pas de quelle manière on transmet. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui arrive. Je pense que les poètes sont très importants pour ça, c'est-à-dire qu'ils arrivent à produire des sortes d'éblouissements. Un éblouissement où tout à coup on comprend certaines choses, c'est-à-dire certaines choses, quelque chose a été transmis. Et pour nous, acteurs, je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a quelquefois une rencontre avec un rôle, avec un personnage, avec un poète, et il y a une illumination qui se produit. Je sais que moi, par exemple, il m'est arrivé quelque chose de très fort de cet ordre-là. C'était il y a assez longtemps, je me souviens plus, mais j'étais pas encore à la Comédie Française. Je jouais à Toulouse et j'étais une rue qui est perpendiculaire au théâtre, dans lequel il y a une librairie qui est assez célèbre à Toulouse, qui était tenue par deux frères, je crois. Je rentre dans cette librairie et puis je fouille comme d'habitude, j'aime bien aller dans les librairies comme j'adore aller sur les marchés. Je trouve qu'il y a la même beauté, en fait, la même beauté. J'adore être... Quand je vais dans une ville, en province ou à l'étranger, la première chose qui m'intéresse et que j'essaye de voir, c'est le marché. On comprend immédiatement une ville, un pays, à travers les produits qui sont là exposés. Que ce soit les légumes, les fruits, la viande, les poissons, tout à coup on comprend en fait ce qu'est la communauté dans laquelle on vient d'arriver. Et ben les librairies c'est un peu la même chose. Je trouve que c'est comme si il y avait là exposé toutes les beautés de l'esprit. Donc je fouille dans ça m'arrive très très souvent d'aller dans une librairie et de ne rien acheter. J'ai juste besoin de me promener dans les rayons et de regarder des choses. Et là, je vais dans le rayon poésie et il y a un petit livre avec comment on appelle ça là ? Une tranche. Une tranche. Et d'ailleurs, c'est celui-là, tiens. Je tire ce petit livre et c'est Fernando Pessoa, le gardeur de troupeau. Ah, on y reviendra. je passe une demi-heure dans la librairie à lire le gardeur de troupeau. Je suis totalement ébloui par cette rencontre avec ce poète. Je referme le livre, je le remets dans les étagères et je m'en vais. Et 50 mètres plus loin, je me dis, mais pourquoi est-ce que je n'ai pas acheté le livre ? Et donc, je suis revenu. Ce livre, en fait, ces poèmes d'Alberto Cairo, l'hétéronyme qu'a créé Fernando Pessoa, a donné lieu à un spectacle, en fait, avec Clotilde Mollet, qui jouait le gardeur de troupeau, et avec Daniel Janto, qui avait réfléchi aussi avec nous. On était vraiment tous les trois à réfléchir en fait ce projet d'un espace, etc. Et ça a été un éblouissement ce spectacle, un éblouissement, comme si en fait l'éblouissement que j'avais éprouvé à la lecture à Toulouse s'était poursuivi jusque sur le plateau à travers Clotilde et les mots de Pessoa. Donc là, j'ai ressenti à quel point il y avait de la transmission. Voilà.
comment en fait on se transmettait des choses. C'est je crois il y a là aussi je trouve que le volontarisme n'est pas de mise. Ah ben voilà le chat qui arrive. Eh bien on l'entend, c'est très bien. Bonjour le chat. Voilà. Eh bien ce que tu viens de dire m'amène à changer l'ordre des questions. Il y a un certain nombre de questions qui sont un peu plus techniques, j'y reviendrai donc plus tard, mais ce que tu viens de dire sur le gardeur de troupeau m'amène à te poser une série de questions questions de Bernard Grandmaison et de ISG Paul. Bernard dit vous êtes adepte de projets atypiques comme le gardeur de troupeau de Pessoa, comme Vivant d'Anisadec, comme les spectacles que vous interprétez avec votre ami Pierre Meunier. ISG Paul aimerait que tu parles du travail théâtral sur les poèmes de Pessoa. Et la question générale est, ces projets-là sont-ils nécessaires à ton équilibre d'acteur ? Bah, oui, j'ai déjà un peu répondu déjà. Absolument. Marc, à quel point effectivement c'est important. Oui, pour moi, c'est ces chantiers poétiques dont je parlais. J'aime arriver, par exemple, Pierre Meunier, qui s'est installé depuis quelques années à Hérisson, dans l'Allier, un lieu qui a été créé par les fédérés et surtout par Olivier Perrier, parce que c'était son endroit. Pour moi, les fédérés, avec Jean-Louis Ourdin, sont les descendants de la décentralisation. Et donc d'une succession en fait de réappropriation des espaces et du public qui a commencé au début du XXe siècle à Paris aussi avec mais en province il y a eu des gens tout à fait passionnants comme Jean Dasté il y a Jean Dasté, il y a Gabriel Monet. Et moi, je me rends compte que je viens aussi d'une histoire du théâtre qui est liée aussi au mouvement catholique. Et donc à Chancerel, à Léon Chancerel, qui a formé des gens comme Hubert Gignoux ou Maurice Jacquemont, qui ont créé des lieux comme la Comédie de l'Est, plus tard le Théâtre National de Strasbourg, Gignoux, voilà, c'est une formation. Après, voilà, c'est Copeau qui est à Paris, qui s'installe à Pernambergelès, c'est dans ce mouvement-là. Et dans ce mouvement-là, en fait, il s'est dégagé au fur et à mesure. En parallèle, il y avait aussi les mouvements communistes qui généraient les mêmes rassemblements, les mêmes enthousiasmes. Chancerel, malheureusement, au moment de la Deuxième Guerre, il a écrit un joli livre sur Maréchal Pétain, nous sommes là. Et puis, il a été décoré par la Francisque. Il y a des limites. Hein. C'est bien, à tout point de vue, et on le sait. Voilà. Mais il y a au fond, à l'intérieur de ce mouvement-là, le chantier poétique qui, pour moi, est effectivement quelque chose de très fondateur que j'ai appris avec Jean-Louis Ourdin, que j'ai appris avec Jean-Paul Wenzel ou Olivier Perrier, et qui se poursuit avec des gens comme Pierre Meunier. Et pour moi, oui, il y a quelque chose d'absolument nécessaire qui fait que notre métier aussi est relié à une forme d'atelier, d'artisanat, où on rentre dans la salle de théâtre comme on rentre dans un atelier, et où on fabrique des objets poétiques qui, comme on peut fabriquer aussi des chaises, il y a... C'est une vie solide.
concrètes. Et j'aime beaucoup ça, en fait, cet engagement, non seulement de la tête, mais du corps en entier, dans la fabrication d'un objet poétique. Donc oui, ça a une vraie grande importance pour moi. Voilà. Oui. Ce qui nous amène à une question tout à fait intéressante de Damien. Damien Joux, relié à cette question d'engagement, de décentralisation et d'artisanat. Damien, vous avez été très proche de Jean-Luc Lagarce et de l'aventure des solitaires intempestifs. Vous avez beaucoup joué les textes de cet auteur. Que vous ont-ils apporté ? Jean-Luc, c'est en fait deux rencontres. La première rencontre avec Jean-Luc, c'est la rencontre avec la personne que j'ai rencontrée. Il avait 18 ans. On est de la même région. Lui, disons qu'il est de Montbéliard et moi, je suis des plateaux du Haut-Doubs, donc situé plutôt Morteau, Pontarlier. Et en fait, il y avait un festival de théâtre au château de Joux, dont s'occupait M. Pierre-Louis. Et c'est là où j'ai rencontré, en fait, la première fois Jean-Luc, qui est venu participer à ce spectacle. Et on ne s'est jamais perdu de vue, en fait. Lui a suivi son chemin. Il y a eu la création du Théâtre de la Roulotte à Besançon. En parallèle aussi à ses études en université. Moi, en fait, j'étais parti à l'école du TNS. À chaque fois qu'il montait un spectacle, il m'appelait pour me dire « voilà, je pensais à toi » et tout ça. Et puis à chaque fois, on n'y arrivait pas. J'étais sur plein d'autres projets. On y arrivait, en fait, assez tardivement. Et en fait, je n'étais pas obligatoirement très curieux de son écriture. La deuxième rencontre avec Jean-Luc, c'est finalement après sa mort. Pour lui rendre hommage au théâtre ouvert, François Béreur me dit « ce serait bien que tu lises Le Voyage à la haie ». Et en fait, voilà la deuxième rencontre avec Jean-Luc, a été aussi importante que la rencontre avec l'homme, c'est la rencontre avec l'œuvre. Et là, oui, j'avais aimé l'homme, j'avais aimé son humour ravageur, sa clairvoyance, sa lucidité, sa douleur aussi. Mais après, j'ai rencontré l'œuvre, et l'œuvre était d'une grande importance pour moi, parce que avec François Béreur, à la suite de cette lecture du Voyage à la haie, on a entamé un long voyage à travers l'écriture de Jean-Luc. Il y avait Le Rêve de la Veille, où je jouais Music Hall, je jouais le rôle de la fille. Puis ensuite Le Bain, qui est un des trois récits de Jean-Luc. Puis, après un entracte, Le Voyage à la haie. Et ensuite, il devait y avoir un autre entracte, et on jouait juste la fin du monde, c'est-à-dire le moment où cet artiste de la scène a essayé d'annoncer à sa famille qu'il était malade et qu'il allait sans doute disparaître. Donc c'était un grand voyage comme ça dans le théâtre et dans l'écriture de Jean-Luc. Et ça m'a apporté, oui, beaucoup, même là, je sais que j'ai toujours avec moi le petit livre du luxe et de l'impuissance de Jean-Luc Lagarce, parce que c'est des textes qui sont merveilleux, qui ne vieilliront jamais, qui diront toujours la beauté du métier qu'on fait. Et là, par exemple, je vais vous lire ça, tiens. Accepter de se regarder soi pour regarder le monde. Ne pas s'éloigner, se poser là, au beau milieu de l'espace et du temps. Oser chercher dans son esprit, dans son corps,
les traces de tous les autres hommes. Admettre de les voir, prendre dans sa vie les deux ou trois infimes lueurs de vie de toutes les autres vies, accepter de connaître, au risque de détruire ses propres certitudes, chercher et refuser pourtant de trouver, et aller démuni, dans le risque de l'incompréhension, dans le danger du quolibet ou de l'insulte. Aller démuni, marcher sans inquiétude, et dire ce refus de l'inquiétude comme premier engagement. C'est pas beau ? Moi, ça me fait pleurer. Je trouve ça une clairvoyance incroyable. Et par rapport à ce qu'on est en train de vivre, ce qu'on a vécu dans ce confinement, ce qu'on va vivre maintenant par rapport à cette catastrophe économique qui va atteindre nos métiers, cette parole, elle est absolument lumineuse, forte, parce qu'elle accepte notre faiblesse. Elle accepte notre fragilité. Et c'est en ça où je trouve que c'est une parole essentielle. Il y a un certain nombre de questions qui abordent la question du confinement. On y viendra tout à l'heure. Il est temps maintenant que j'en vienne à ces questions un peu plus... Elles seront un peu plus légères. Ça va faire une petite parenthèse comme ça, un peu plus technique, un peu plus liée... Au métier. Il y a une série de questions qui concernent la cuisine, vraiment, de l'acteur. Oui. Sherlock Edoka demande, par exemple, quelle est la technique que l'on acquiert, quelle est ta technique pour apprendre des textes aussi longs que ceux de Peer Gynt ou ceux de Galilée ? Des questions techniques. Une question liée au classique de Lucien. Je ne pense pas que ce soit Lucien Hatoun, mais c'est un Lucien en tout cas. Aimez-vous jouer dans les classiques ? Est-il plus facile d'apprendre des alexandrins ? Est-ce que c'est plus difficile de les dire ? Et enfin, une question de Félix, HHH. Est-il plus facile de jouer un rôle comique ou un rôle tragique ? Non, c'est ni plus facile ni plus difficile. Voilà, le rôle est beau, le personnage est magnifique, ou pas. Le projet est enthousiasmant, excitant, ou pas. Et c'est dans cette configuration-là que les choses se passent. Évidemment qu'il y a toujours cette relation à la nature en fait des rôles et où on est plus disposé à interpréter facilement un rôle tragique ou un rôle comique, mais tout ça est très relatif, très très relatif en fait. Après c'est aussi une question d'appétence. On peut avoir plus envie d'être quelqu'un qui au fond a trouvé un langage personnel, une manière d'écrire sur un plateau, une forme, cette forme, ce rapport à la forme va être plus évidente dans un répertoire plus comique ou plus tragique, voilà. Bon, mais je trouve que tout dépend de tellement de choses qu'il ne peut pas y avoir de préférence ou de facilité plus grande à faire une chose qu'une autre. Alors, pour apprendre les textes, c'est vrai que c'est une question qui revient souvent. Alors, j'ai commencé à y répondre sur comment ça se passait il y a quelques années et comment, en fait, on n'apprenait pas. Et que apprendre devenait simplement la continuité en fait, du travail de répétition. Et que maintenant, c'est presque un vrai travail en soi. C'est un travail en soi. Il faut le faire avant d'arriver en répétition, quoi. Et donc, ouais. Donc c'est en ça où ça m'agace un peu. C'est-à-dire que c'est comme si j'allais à l'usine, quoi. Or, donc, moi, j'ai bien aimé ce métier à le choisir parce que, justement, je voulais fuir l'usine de mon père, quoi. Je voulais pas être ouvrier. Là, j'ai l'impression de me nuiser, quoi. Il faut s'y mettre, quoi. Mais il n'y a pas le choix. Et quand je me suis retrouvé, par exemple, face au texte de Peer Gynt, ça a d'abord été la panique totale.
J'ai conscience que j'étais face à une montagne. Et en fait, c'est simplement une question d'organisation du travail. Voilà. Et comme on grimpe une montagne, on établit des camps de base. Et puis, quand on est arrivé jusqu'à ce camp de base, ben, on se repose, on revient, et puis on repart au camp suivant, etc. Et puis jusqu'au sommet. C'est un peu la même chose, il faut se lever le matin, faut s'y mettre. À 9h, moi je m'y mettais à 9h, et je travaillais 2 heures, et j'apprends une phrase, et une autre, et une autre. Et puis je reviens au début, et je récite là les 3 phrases. Et j'en rajoute une quatrième, etc., etc. Et ensuite, c'est vrai que ce qui est important, et ce qui est nécessaire souvent, c'est de trouver quelqu'un qui va prendre le texte, et qui va donner les répliques, pour faire en sorte qu'on ne soit plus obligé de revenir les yeux sur le texte, mais qu'on puisse l'adresser et donc trouver la fluidité de l'apprentissage. Donc c'est d'abord un travail seul, puis ensuite avec, et là la chance qu'on a dans la troupe, c'est qu'il y ait des assistantes maison, des assistantes qui vont assister le metteur en scène, qui vont faire la synergie entre la maison et les équipes extérieures. Et ce sont des personnes absolument essentielles pour nous. C'est des chevilles ouvrières dans la fabrication des spectacles, et pour nous, des chevilles ouvrières sur la manière dont elles vont nous aider en fait à intégrer le texte. Donc, on a la chance de pouvoir travailler avec les assistantes justement et de faire des italiennes où on se retrouve tous ensemble à essayer de dire le texte tous ensemble. Mais c'est une question d'organisation en fait du travail. Et ça a été pour Peer Gynt ça qui m'a sauvé. Autrement, j'aurais été submergé. Mais jusqu'au bout, il y avait une nécessité pour moi de me concentrer très fortement sur le travail. J'avais effectivement beaucoup de difficultés à comment dire, pas j'essayais pas de m'isoler en fait du collectif, mais je sentais que j'avais besoin de rester incroyablement concentré sur les objectifs à atteindre, que ce soit par rapport à la mémorisation du texte, que ce soit à l'engagement physique sur le parcours, etc. Donc voilà, c'est une pratique que maintenant que j'ai acceptée et que j'ai mis en place, et c'est vrai que ça n'est que ça, ce n'est qu'une organisation du travail. Du temps et du travail, voilà. Au niveau de l'apprentissage. Il y avait quelle dimension dans la question aussi, peut-être j'ai Il y oublié. avait la question des alexandrins. Est-ce que c'est plus facile de... Ah, d'abord, est-ce que tu aimes jouer les classiques? Est-ce que c'est plus facile d'apprendre des alexandrins? Moi, c'est pareil, en fait. Je trouve, là, on a joué. Alors, d'abord, moi, je n'ai pas reçu une formation classique. C'est-à-dire qu'à l'école du Théâtre national de Strasbourg, en fait, il n'y avait pas cet apprentissage-là. Je n'ai pas abordé l'alexandrin, la versification, etc. C'était une époque où le TNS était beaucoup plus influencé par le répertoire germanique. Et donc, le répertoire français, en fait, était peu abordé. Je n'ai pas travaillé Molière, je n'ai pas travaillé Racine ou Corneille. Et donc, et bizarrement, c'est que même après, quand je suis sorti, où j'aurais pu rencontrer ce répertoire-là, ça ne s'est pas fait. C'est donc arrivé à la Comédie-Française que j'ai abordé Molière, Claudel, Racine, Corneille. Voilà. C'est une fascination. Et en même temps, une peur, panique. L'alexandrin, pour moi, c'est quelque chose de très fort, mais qui génère une panique, une peur. Sur Britannicus, mais je crois que ce qui m'a rassuré, c'est que je n'étais pas le seul. C'est que on avait une peur, mais terrible, de se prendre les pieds dans le tapis. Parce que, oui, il y a effectivement
une rythmique, une musicalité comme ça du vers, qui fait qu'on peut se dire c'est facile à apprendre, plus facile à apprendre, on peut se repérer, etc. Mais il y a aussi quelque chose qui est anti-naturel et qui en fait est très difficile à intégrer pour retrouver au fond une fluidité et un naturel qui prennent en compte la structure même de la langue. Mmh. Et donc ça en ce qui me concerne, ça m'a fragilisé terriblement. Je pouvais me retrouver à avoir des trous mais monumentaux. Alors que d'un autre côté, tous mes camarades me disaient mais non, mais c'est quand même beaucoup plus facile puisque ça résonne. Donc tu peux pas avoir de trous, tu peux savoir. Ben non, c'était autre chose. Voilà. Donc c'était plus compliqué, mais malgré tout, jouer Racine, jouer Corneille, Molière et pratiquer l'alexandrin, c'est quelque chose d'un raffinement extrême. C'est-à-dire, j'ai revu là moi le Bérénice de Racine mis en scène par Michael Gruber, quand il parle de ce cœur chaud et de cette bouche froide, c'est-à-dire cette relation où tout est anti-naturel et la vie, jamais peut-être ne s'est aussi bien racontée que dans ce moment-là, le fait de parler de cette manière-là. Donc c'est quelque chose de magnifique qui je pense a à voir avec l'émotion artistique, spirituelle même. Je pense que c'est aussi la différence qu'on peut pressentir, ressentir entre une peinture naturaliste, réaliste, et l'abstraction. L'abstraction peut, à un moment, parler du réel de manière beaucoup plus forte, puissante, qu'un tableau réaliste ou naturaliste. Et c'est troublant. Mais là aussi, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur des formes d'éblouissement. C'est-à-dire que tout à coup, on a accès à quelque chose qui est de l'ordre de la spiritualité, de l'éblouissement. Quelque chose qu'on ne peut même pas expliquer avec des mots. C'est quelque chose qui arrive, qui nous arrive. On est impressionné comme une photographie peut être impressionnée. C'est cet ordre-là. D'accord. Alors, il y a trois questions qui sont des questions un peu plus personnelles. Il faut bien les poser aussi. Verra si tu réponds ou si tu ne réponds pas. Fanny Joly, oui. D'abord, fait une constatation et dit, vous avez une des plus belles voix du théâtre. L'avez-vous beaucoup travaillé? Oh, j'ai déjà c'est répondu. La première question. J'ai déjà répondu. Non, je n'ai pas travaillé. Pas travaillé. Non, elle n'est pas. La deuxième question. Oui. C'est peut-être une époque où on fumait beaucoup de Gauloises sans filtre, peut-être. Ah, voilà. Ceci explique cela. Oui. La deuxième question personnelle, c'est dans votre loge, on voit de Nathalie Besse. Dans votre loge, on voit un mur peint. Pourriez-vous nous expliquer son histoire? Ah, ben oui, alors là, avec plaisir. Parce qu'en fait, quand à la Comédie Française, la troupe, quand on est pensionnaire, on est à deux dans une loge. Et puis, quand on nous a proposé au sociétariat et qu'on a été accepté, on va donc pouvoir occuper une loge seule. Et quand je suis arrivé dans... Alors, j'ai déjà eu une première loge, et puis on m'a proposé de changer, et donc je dis bon, ouais, tiens, pourquoi pas, je vais changer. Et quand je suis arrivé dans cette loge, elle était vraiment ancienne, quoi. avec une moquette pourrie, et on m'a dit, cette loge, elle sera refaite un jour, Alors, j'ai dit, mais est-ce que je peux faire quelque chose, moi? Je peux... elle n'a pas été refaite. Oui, tu peux. Elle aurait été refaite. Peut-être qu'on aurait dit, non, écoute, on vient de repeindre tout ça. On vient de refaire, non.
Alors, j'ai arraché la moquette, j'ai poncé le parquet, et puis ma fille, Noémie, qui était dans une école prépa avant de passer les concours des écoles d'art, elle a finalement intégré l'école des beaux-arts de Cergy-Pontoise. Je lui ai dit, écoute, voilà, les murs sont à toi. Voilà, tu peux faire ce que tu veux. Moi, j'aimerais juste qu'il y ait quelques nuages, quoi. Voilà. Et donc, il s'est installé pendant, je ne sais pas, 10 jours, en fait, dans cette loge, avec un camarade à elle. Ils ont amené de la peinture, et hop. Et alors là, j'ai découvert, en fait, une loge totalement recouverte, mur et plafond, par des grands nuages. Par des paysages sur le côté où il y a un chat qui est sur ses fesses et qui a de la fumée qui sort de sa bouche. De l'autre côté, il y a un personnage qui est allongé au-dessus de là où j'ai posé mon lit et qui est un peu comme une sorte de mantra, comme ça. Alors, quand je suis allongé, on a l'impression que j'ai mon corps qui... mon corps qui reste et j'ai mon mantra qui sort et voilà. Et donc, c'est un univers voilà, extra et elle fait des choses comme ça, voilà, que j'adore. Là, en ce moment, elle fait des collages, en fait. Tout ça, c'est des collages en papier, qui sont en fait comme si elle faisait des croquis pour aborder après des tableaux en fait en acrylique et donc c'est quelque chose qui est très émouvant pour moi et très touchant parce que je vis dans un paysage qui a été conçu par ma fille Noémie. Voilà la loge. Très bien, merci. Avant d'aborder le dernier groupe de questions qui est lié au confinement. Une dernière question un peu personnelle de Lola. Oui. Lola se demande si tu aimerais mourir sur scène comme Molière. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Je pense que c'est. Enfin, je... Mourir en scène, à quoi ça correspondrait? Je ne sais pas, ce serait un truc romantique, très manière de se donner en spectacle. Y a quelque chose qui me troublerait énormément. Je me dirais, oh là là, mais il faut que je m'en aille vite avant de mourir sur scène. C'est quelque chose qui est un peu gênant, quoi. Un peu, je pense que face à la mort, on est seul. Je pense pas que ça soit. Enfin voilà, il faut pas se cacher la chose. On face à la mort et au moment de partir, on est seul. On peut toujours effectivement être entouré de ceux qu'on aime. Mais je pense pas que mourir sur scène soit quelque chose de très gratifiant. Ça, à Molière, ça lui est arrivé simplement parce qu'il a travaillé jusqu'au bout. Et qu'il a été saisi par la maladie et qu'il a craché ses poumons. Si ça veut dire qu'être acteur, c'est être acteur le plus longtemps possible, bien évidemment. Bien évidemment que moi, quand je vois... quand je vois... comment ? Ah ! C'est pas vrai. Le nom... Ce merveilleux acteur, bon Dieu, qui joue... Oh, Jean-Louis Trintignant. Jean-Louis Trintignant. Oh. Bon ben Jean-Louis Trintignant, quand je le vois dire les poèmes et que j'ai participé avec Michel Piccoli et Jane dans le Gainsbourg Poète Majeur, bien évidemment qu'on a envie toujours, jusqu'au bout, le plus loin possible, de ce partager. Oui, partager le plus longtemps possible, ça, oui, c'est une évidence. Mais mourir en scène,
Non, je pense qu'il faut savoir aussi se retirer et puis se cacher un peu pour mourir. C'est mieux, je crois. Et Merci. Oui. c'est vrai que y a une phrase, enfin, c'est une chose de Paul Valéry que Georges Perrault, il a utilisé pour un petit livre d'entretien qui est Je suis toujours ce que je vais devenir. Et ça, je trouve que c'est très juste par rapport à nous. C'est que, et par rapport à l'humanité, de manière générale, mais on est toujours ce qu'on va être. Et Paul Valéry continue en disant Je ne suis même pas ce que je vais être. Ça, je trouve que c'est très, très juste. C'est très, très juste. Eh bien, nous allons terminer cette causerie par une question qui recoupe une question d'Arnaud Calvet et de Hannibal Lecter. Et qui est liée au confinement. La question d'Arnaud Calvet, est-ce que la période de confinement vous a aussi rappelé votre rapport au théâtre lorsque vous étiez enfant, l'impatience de jouer, l'envie d'apprendre un texte, rêver tel que tu l'as exprimé dans ta cuisine de l'acteur. Donc, est-ce que pendant le confinement, quel a été ton rapport au théâtre? Et la question d'Hannibal Lecter, c'est qu'est-ce que vous faites quand vous n'êtes pas au théâtre? Qu'avez-vous fait pendant le confinement? Dans le temps de ce confinement, c'est vrai que je me suis rendu compte qu'il y avait une grande interrogation sur moi-même, sur justement ces 40 ans de théâtre, de travail, et puis sur ce qui sur les questions fondamentales en fait. Que je me posais sur comment on fait société. Qu'est-ce qui fait qu'on fait société? J'ai découvert, parce que j'avais le temps, des gens qui m'ont beaucoup touché, parce qu'ils m'ont aidé à réfléchir. Dans ces moments-là, on s'est beaucoup questionné sur la justice sociale. Le confinement, je trouve, a révélé, la fragilité de nos sociétés. Il a révélé le fait que on était dans une construction socio-économique d'une très grande fragilité et que ceux qui étaient en première ligne étaient ceux qui, au fond, étaient les moins reconnus dans la société. Qu'il y a une forme de répartition des richesses qui ne se fait plus aussi bien qu'au moment de la sortie de la Deuxième Guerre mondiale sur la conscience qu'il faut qu'il y ait une régulation. Que cette régulation doit exister, qu'on ne peut pas laisser le marché libre, parce qu'il crée une violence qui peut devenir insupportable. Mais comme de l'autre côté, les régimes communistes génèrent des relations qui sont proprement insupportables. Donc il y a une régulation à avoir. Et donc j'ai découvert des gens comme Christophe De Jour, qui réfléchit sur la souffrance au travail et qui est proprement passionnant. J'ai découvert Alain Supiot, qui, je trouve, écrit des livres. C'est un juriste. Il écrit des livres tout à fait passionnants sur le droit et par exemple, il a écrit un livre qui s'appelle La gouvernance par les nombres, qui dit. Au fond, dans la première révolution industrielle, on a créé des machines et l'homme est devenu l'appendice de ces machines. Cette nouvelle révolution qui est en train de se passer fait que la machine est en nous. L'ordinateur, d'une certaine manière, c'est nous. Et nous sommes dirigés par des algorithmes. C'est la gouvernance par les nombres. C'est ce qu'on a entendu d'ailleurs finalement il n'y a pas si longtemps quand des médecins parlaient de l'hôpital. Quand un chirurgien dit je soigne d'abord un indice avant de soigner des patients. Et toute cette réflexion-là, moi, m'a beaucoup aidé, beaucoup
touché et ça m'a amené à réfléchir sur moi-même. J'ai découvert aussi ce merveilleux livre de Jean-Luc Nancy qui vient de sortir et qui est « La peau fragile du monde ». Rien que le titre « La peau fragile du monde » dit en fait l'importance du questionnement sur comment fait-on société, comment est-ce qu'on construit en fait nos relations aux autres, que ce soit au niveau local, européen ou mondial. En fait, ce questionnement-là, il est absolument nécessaire. Donc voilà ce que j'ai pu découvrir dans ces moments de confinement. J'ai eu le temps de regarder aussi pas mal de films, puisqu'on avait plein de plateformes qui s'ouvraient à nous. En particulier, j'étais ravi de voir la plateforme de la Cinémathèque, et avec des incunables magnifiques. J'ai réfléchi sur mon métier aussi. J'ai repensé à des gens qui ont compté pour moi et pour d'autres à l'école du TNS, comme Claude Petitpierre, qui était notre chargé de la pédagogie et qui était un grand acteur, qui était origine de juste l'autre côté de la frontière. Moi, j'étais à Morteau et lui, il était à la Chaux-de-Fonds, juste en Suisse. Mais il a eu une grande carrière de comédien, liée aussi à Hubert Gignoux, à tout ce que je pouvais raconter de la décentralisation. Et c'est quelqu'un qui nous a beaucoup marqué, tous les élèves qui ont eu la chance de le côtoyer, et où il nous parlait du chamanisme. Donc je me suis replongé dans un livre qui vient de sortir sur le chamanisme, sur voyager dans l'invisible, les techniques chamaniques de l'imagination. Et notre métier est un métier qui est un métier d'imagination. Je pense que sans doute nos métiers prennent racine dans ces mouvements profonds qui sont avant les grandes religions monothéistes. C'est dans ce rapport je sais pas ce que peut dire aussi Marcel Jouss, un anthropologue qui a écrit des livres où il dit la parole, le parlant, le souffle, la manducation de la parole. Tout ce rapport justement à ce qu'aborde aussi le roi Gourand, c'est un rapport, ça rejoint sans doute Galilée quelque part, c'est ce rapport de l'anthropologie, de l'andropos, de la place de l'homme dans le monde, sur comment on interroge notre place dans le monde. Et je me suis interrogé donc aussi, en tant qu'acteur, comment je peux m'interroger sur mon inscription dans mon métier, tout autant que dans le monde. Je rappelle aux spectateurs qu'ils ont jusqu'à ce soir pour poser leurs questions à Françoise Gillard, qui sera présente dans la causerie de demain. Elle sera suivie mercredi de Biran Ba, jeudi de Claire de la Rue du Camp et vendredi de Laurence Stocker. Merci beaucoup Hervé, à bientôt. À bientôt, je vais boire l'apéritif en pensant. Eh bien, bon apéritif.